La police municipale de Omécourt a pris des MG4 pour faire les patrouilles, etc. Ah ouais, marrant ça. Les forces de l'ordre devraient-elles toujours rouler en voiture française? Bah là, c'est pas le cas pour le coup. Pour les brigades d'intervention rapide de la gendarmerie nationale, c'est toujours le cas puisqu'elles peuvent compter sur l'Alpine à 110. La police nationale et la gendarmerie utilisent également des 3008 et 5008 pour remplir leur mission. Mais ces entités et certaines unités locales de la police municipale utilisent depuis longtemps des véhicules de marque étrangère. Donc dans la Meurthe-et-Moselle, Omécourt a décidé d'investir dans le MG4, moins cher acquisition et au fonctionnement, mais surtout plus vertueuse, d'après les termes employés par les communicants de la ville. Alors je sais pas s'ils ont pris la version 51 ou 64, c'est pas précisé. Les partisans du patriotisme économique rétorqueront sans doute que les forces de l'ordre doivent plutôt rouler dans des françaises, en l'occurrence la Mégane E-Tech, ou pourquoi pas la nouvelle I308. Mais elles coûtent beaucoup plus cher. Eh ben oui, il faut les payer, hein. Voilà pour cette petite actu sympathique. La MG4, bah ça lui va bien les couleurs de la police au final. Allez, ciao!